Après une formation en danse classique à Paris, auprès de Madame Raoussan, Rose Sarkissian et Victor Jesovski, professeurs russes très réputés qui formèrent aussi Françoise Adret et Maurice Béjart. Violette Verdi débute au ballet des Champs-Élysées en 1945 et se produit avec les ballets de Marigny en 1952, puis rejoint Roland Petit au ballet de Paris l'année suivante. Soliste au London Festival Ballet en 1954 et 1955. Elle est notamment invitée à l'American Ballet Theatre, puis fait carrière au New York City Ballet de 1958 à 1976. Elle devient directrice de la danse au Ballet de l'Opéra de Paris de 1977 à 1980, puis co-dirige le Boston Ballet. Violette Verdi a été aussi actrice dans la compagnie de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, à la création de Malatesta de Henri de Monterland, et a tourné des films en Amérique, en 1950. Dream Ballerina de Ludovic Berger et en 1954 The Glass Slipper de Charles Walters. Chorégraphiée par Roland Petit, pédagogue, elle contribue à la diffusion de la méthode Balanchine dans le monde entier. Elle participe à de nombreux séminaires d'art et humanité, à de nombreux jurys de danse et a été nommée Distinguished Professor à la Jacobs School of Music de l'Université de l'Indiana à Bloomington dans l'Indiana. Elle est également Artistic Advisor à la Rock School for Dance Education de Philadelphie. Violette Verdi meurt le 8 février 2016 à Bloomington, Indiana, des suites d'un AVC.